Yop, tout le monde, c'est meilleur 7. On se retrouve pour la suite de la draft. Que j'ai fait hier. Comme vous voyez, il y a écrit 1 à draft en ligne. Vu que j'ai déjà gagné le premier match, je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Du coup, on part directement en match, les gars, avec cette équipe monstrueuse. Messieurs, ouais, c'est bon. J'ai Marco Reus et tout, mais je les ai pas encore montrés. Du coup, c'est parti. Contre LOS Coros. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme équipe? Luis Suarez, Neymar, De Bruyne, Draxler, Fabinho, Diarra, Cancelo, Vandic, Sandro, Bonucci, Alisson. Franchement, bonne équipe. Bonne équipe. Oui, ça m'a un peu bas les couilles du collectif. C'est Bonjour à parti. tous, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais pause déjà, toi? Évidemment, il va faire des changements. Fallait s'en douter. Est-ce que j'ai un Argentin dans cette équipe? Non. Ouais, dommage. J'aurais pu faire mon défi hein. En même temps. Et moi-même, nous vous souhaitons très joyeuses années. Non, la bienvenue pour ce match. Oui, ben déjà, bienvenue à tous. Bonjour Hervé, et puis oui, bonne année aussi. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. J'arrive toujours pas avec Pelé et Neymar. De passer le milieu de terrain. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3. J'essaie de dribbler les gars. Joueur sur les côtés qui se transforme en milieu défensif à la perte de la balle. Allez, peut-être l'amorce d'une. Non, pas comme ça, pas comme ça, frère. Neymar. Arrête, arrête, pas comme ça, frère. Je veux bien que tu marques, mais pas comme ça, les gars. C'est bon. On va avoir un œil particulièrement attentif à la performance de ces deux joueurs dans cette rencontre. Ouais, à mon avis, les deux joueurs risquent d'être très sollicités aujourd'hui. Hein. Et on va bien voir lequel des deux va remporter ce duel à distance. On fait tourner. On essaie de faire son Ok, ça sort le gardien. Oui, bien sûr, fils d'Ep. Draxler. Kevin De Bruyne. Ça va être compliqué contre lui. Mbappé. Ah, il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Bien, Draxler. De Suarez. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Le ballon qui change de camp. Modric. Pogba. Ivan Rakitic. Ah, Pelé qui est sur ce ballon. Ah, c'est bien mené ça. Oh, pourquoi j'ai pas fait la passe, les gars? Je suis un taureau, gros. Le voyait dedans ce ballon, mais finalement non. Le corner de Rakitic bien tiré. Ouais, la frappe. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça, moi? Ok, le... non, ok. Ivan Rakitic. Ah, mais Mbappé, je sais pas pourquoi, mais il court vite. Hein. Il court vite. Il jouait sur Mbappé. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Paul Pogba. Rakitic, il prend sa chance. Mais nique ta mère, Rakitic. Pourquoi tu tires tout droit en fait? Pourquoi tu tires tout droit en fait? Ivan Rakitic.
J'arrive même pas à gagner avec Pelé, quoi. Bon, le match précédent, j'ai mis 2 buts. Mais il y a quoi, frère? Hey, Mbappé, tu te calmes. Et tu fais la passe à qui, frérot? Il a fait un entre-deux, ce bâtard. Ok, lui va jouer beaucoup en dribble avec Neymar. Du coup, on va essayer de le maintenir. Mais attends, mais mon attaque, il est vachement basse en vrai. Je suis obligé de mettre offensif, les gars, c'est bon. Oh, mon attaque, elle est où, ZB? Il a mis des contributions à son équipe, ce fils d'up. Tu fais une draft, joue normal, genre. Dégage avec tes dribbles. Tu casses les couilles, gros. Tu crois que je sais pas jouer, moi? Il casse les couilles comme il joue. Mais il essaye de faire quoi là en fait? Bah, allez, rentre chez toi, gros. Danilo. Hey, c'est bon, il est trop fort, frérot. Ah, il est trop fort, il va me battre. Bien joué à toi. Bien joué, t'as gagné, t'es content, enculé? Au bout de 35 minutes, tu tues le suspense. Tu tues le suspense en 35 minutes, putain! Mais c'est quoi ce centre, gros? Mais Neymar, Pelé, Mbappé, c'est le pire trio de la vie, genre. Ils touchent pas un ballon, les mecs. Ouais, c'est bon. Je sais pas jouer, les gars, je sais pas jouer. Voilà. Lui, il va faire un dégagement, il va marquer. Allez, voilà. Frère, tu crois que je sais pas jouer, enculé, t'es mort! Non, mais regardez-moi sa défense! Vas-y, je vais te violer, frère. Arrête! Mais Miskin! Ah, bien sûr. Bah oui, il y a faute, bien sûr. Je sais juste de prendre le ballon, mais il y a faute, vas-y, y a pas de soucis. Ah bah tiens, le ballon revient sur lui. Mais c'est habituel, ça c'est un truc habituel. Mais c'est quand que je vais me prendre un vrai but, les gars? C'est bon, Mbappé. Il a Mbappé en Totti. Mais c'est bon, gros, il a toute l'équipe lui. Oh, il a 3 Totti dans son équipe. Alors attention, hein, ce but il change tout, hein, c'est plus du tout. Et Pogba il fait quoi, frère? Ah mais bien joué, fils de pute, va. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Putain, premier match, je gagne easy. Là, je galère avec un fils de pute qui joue défensif. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Mais putain, tu fais la passe à qui? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Voilà, ta mère va marquer à la mi-temps. Match le plus pourri que j'ai joué de ma vie, gros. Pelé, tu sers à quoi, frérot? Marcelo, c'est dans le paquet. Évidemment. Le mec qui fait une tête, ça va sur ma tête, gros. Mais Pelé, il reste en attaque, gros. Et merci. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tout le monde aurait fait ça dans la vraie vie, bien sûr. Regardez mes joueurs, ils sont déjà morts.
Mais Pelé, frère! Ah, mais Pelé, il pue la merde! Et ça va me recopier. Et tous les adversaires que j'affronte, ils veulent me recopier, genre. Encore un bon ballon. On écarte le jeu. Oh là là, mais Mbappé. Mais pourquoi j'ai un... Pourquoi j'arrive pas à jouer? T'as vu l'attaque que j'ai, genre? Mbappé. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Mes joueurs sont morts, voilà. Comme toutes les fins de match, mes joueurs sont morts. Mais Pelé, c'est bon les gars, c'est bon. Il m'a saoulé, frère. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Le temps que je n'ai pas de buteur dans mon équipe, je ne pourrais jamais gagner. Je vais faire des changements, je pense. Paul Pogba, Ivan Rakitic, Neymar, Marcelo, idéalement placé. Regardez Pelé, il fait quoi, gros? Regardez Pelé, il fait quoi? Il se baisse, gros. Il se baisse. Pelé, tu sors, frère. Je t'enlève de buteur. T'es pas un buteur, toi. Tu pues la merde. Tu fais aucun appel, gros. Regarde, Pelé. Pelé, frère. Vous savez, c'est qui Pelé ou pas, gros? Je crois que FIFA, c'est pas c'est qui Pelé. Hein. Ouais. J'étais sur l'occasion à 100% et ça passe. Casse-toi, je pourris, va. J'ai Pelé, lui, la Figo, il me bat, frère. Et Pelé, tu pues la merde, sors d'ici, gros. Vends ton âme, gros, tu pues la merde. Oh, l'autre, il a 70 ans, frérot. Casse-toi, tu pues la merde. C'est bon, donnez-moi un buteur maintenant. Je vais tester Bales, vous savez quoi? Hop, je fais ça, ça, comme ça. Et après, bon, vas-y, je laisse comme ça. C'est bon, gros, il pue la merde, l'adversaire. Il est défensif contre-attaque. On se rendait compte de la trajectoire. Au départ, on a cru que c'était pas cadré. Je me demande si c'est frappé. Évidemment que c'est cadré, il n'y a personne au but. Ça le bouffon. Le gardien, il saute à gauche alors qu'il a tiré à droite. Il a la marque désormais de but à 1. Il veut faire sortir la défense, hein, c'est clair. Pouh, là, c'est bon, j'ai perdu, les gars. Bah oui, voilà, je fais des changements, il fait des changements. Le mec, il a pas de personnalité. Mais joue à toi, gros. Ouais, très bonne passe. Oh, c'est bien donné en profondeur. Allez, sort d'ici, gros. C'est même pas joué, gros. Comme d'hab, hein, je vous ai dit, dès que j'ai un mec qui sait jouer, en fait, j'arrive pas à gagner. Qui sait pas jouer. Mais nique ta mère, c'est quoi ce gardien? Mais nique ta mère! Eh, vas-y, c'est bon, gros. Ferme ta gueule, commentateur. Un peu de rentrer, moi. Et ferme ta gueule, il a même pas fait exprès, gros. Il a même pas fait exprès, gros. Regardez-moi ça, il a pas fait exprès, le gardien. Regarde le gardien. Mais saute, frère, saute! Putain! C'est n'importe quoi ce jeu, gros. On va bien jouer à ta victoire, enculé. Le gars, il a une chatte énorme, gros. Est-ce qu'il va centrer? C'est parti vers le deuxième poteau. Oh, c'est bon. Ouais, non, c'est pas personne. Et ça sort, corner à suivre. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Il a gagné. On le félicite. Vandic est trop fort. Mais regardez-moi ça, gros. C'est pas joué, c'est bon. Allez, vas-y, amuse-toi, gros. Fais-toi plaisir, gros. Voilà, bien joué. Non, c'est bon, c'est un gamin en plus. Mais mes défenseurs, ils sont fatigués alors qu'ils courent même pas dans le match. C'est que moi, il n'y a que mes milieux de terrain qui ont le ballon. Mes défenseurs, ils ont été fatigués. Expliquez-moi pourquoi, les gars. Expliquez-moi pourquoi. On sent un gardien. Le mec en 30 secondes, les joueurs. Mais regarde le gardien!
c'est bon. Bon. Ça m'a saoulé, gros. Pourquoi je gagne 8-3? J'aurais dû faire le match direct enchaîné à la place de faire le lendemain la suite. Je suis un mongol, j'aurais dû enchaîner direct quand j'étais chaud. Putain, je suis un mongol. Gros. Et voilà, il va. Mais nique ta mère, tu sais pas jouer, gros. Vas-y, c'est bon, marque tes buts, je joue plus, je lâche ma manette. J'ai lâché ma manette, les gars. Il n'y a qu'à marquer, gros. Qui se fait plaisir, gros. Bouffon. À part courir, tu sais faire quoi, fils de pute, là. Mais Pelé, mais cours! J'en ai marre, Pelé, il pue la merde, les gars. Pouah, c'est bon. Mais pourquoi je fais ça? Ah bah si tu sautes pas pour faire une tête, ça risque d'être compliqué quoi. Ouais. Naïf, j'arrive pas. Dès qu'il y a un joueur qui dribble, j'arrive pas. Moi il me faut des joueurs qui savent faire des passes. C'est pas possible moi. Et voilà. Sale but, va. Crunchy ta mère, gros. Tu sais pas jouer. Tu payes tous les coups, il a blessé mes joueurs en plus. Là, j'aurais Van Dijk, j'aurais aussi gagné. Cette pute, là. Tu passes pas, gros. C'est bon, arrête de blesser mes joueurs. Gros. Tu pues la merde, tu sais pas jouer. Regardez-moi, pelé. Mais Pelé rentre-lui dedans, frère. Oh, il a 50 ans, il a pas de force. 70 ans, pardon, qu'est-ce que je raconte. Vas-y, un cinquième, vas-y. Et il est content. Mais mes joueurs, ils sont morts, gros. Les fins de match, j'arrive pas à jouer, genre. Et le Calvaire a dû jouer. Mais ferme ta gueule, il a juste des joueurs qui sont pas fatigués. Il passe sa vie à défendre, encore heureux que ces joueurs sont faits, ces attaquants ils sont. Mais attends-toi, toi frère. Merci. Mais ferme ta gueule, le commentateur, je vais te rentrer dedans, frère. Tu pues la merde. Oh, tu fais 500 kilos depuis 24 ans, frère. Tu fermes ta gueule maintenant. C'est bon, je m'en bats les couilles. Mais où est-toi, mais ferme ta gueule, gros. Tu marques des buts en fin de match, c'est normal. En première mi-temps, t'étais où, frérot? En première mi-temps, t'étais où? T'étais nulle part, frérot. De pute. Oh, c'est bon. Pourquoi j'ai pas joué hier? Regarde, hier, j'ai gagné 8-3. Pourquoi j'ai pas enchaîné hier? Je suis un mongol, les gars. Allez, j'ai ouvert un pack de merde, là. Je suis un mongol, les gars. Pourquoi j'ai pas joué hier? Hier, j'étais chaud, mais je mettais tous mes tirs. Bah, Chanson, il a un frère ou quoi? Gamero, super, pourquoi pas. Vous savez quoi, regardez Gamero. Et donc, hop. Au final, ma meilleure équipe de draft, ça a été la plus pourrie au final. J'arrive même pas à jouer. Merde. Les trucs comme ça sert à quoi en fait? Ok, donc voilà, un pack de merde comme d'hab en draft. Hein. Du coup, j'ai perdu au deuxième match, super. Du coup, là on est quoi? On est mardi, demain ce sera. Je vais ouvrir un pack à 7500 au pif et je vais jouer une équipe autour d'elle. Quoi. Voilà, tout simplement. Du coup,
Je vous laisse là-dessus. Bye.